السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اللي نتمنى نلقاكم إن شاء الله الرحمن الرحيم في أحسن الأحوال، نتوما عائلتكم الناس اللي كتبغيو كاملين. ألوغ لا لوسون أجوردي إن شاء الله الرحمن الرحيم أون فوا فيغ لورتوغراف 7 لي مو فورمي باغ لي بريفيكس إي إن إي إم إي إل إي آر إي لي سوفيكس سيون سيون سيون. هاد لا لوسون هادي يعني راه ديجا متعاودة، إلا شفتو لي لوسون اللي فاتو لي بريفيكس و لي سوفيكس غتلقاو فيهم هاد الدرس هذا كيف ما هو يعني، ولكن هذا لا يعني باننا ما غنعاودوش، غادي نعاودو نديروه معكم وراه سي تري فاسيل داكوغ. اذا خليكم معايا، نبداو على بركه الله. بروميير ايتاب اللي غنشوفو فيها لي بريفيكس، دوزيام ايتاب اللي غنشوفو فيها لي سوفيكس داكوغ. الوغ نبداو بروميير ايتاب لي بريفيكس اي ان اي ام اي ال اي ار انكونستيتابلومون مورغان اي امباتابل او جو دو ميموري. Impossible de cuisiner ces légumes, ils sont immangeables. Il est inacceptable de commettre des imprudences au volant. Laurine a rendu un exercice inachevé et illisible au professeur. Avec un brouillard aussi dense, le paysage paraît irréel et l'air est irrespirable. D'accord? Alors, recoupez les mots en grand et entoure les préfixes avec lesquels ils sont formés. D'accord? Alors, recoupez les mots en gras et entoure les préfixes avec lesquels ils sont formés. Quel sens ont ces préfixes? Alors, on a incontestablement le préfixe ou un. D'accord? Imbattable, préfixe un. Impossible, préfixé 1. Immangeable, préfixé 1. Inacceptable, 1. Imprudence, inachevé, illisible, irréel, irrespirable. D'accord? Alors, regardez-moi les préfixes. Quels sont ces préfixes? Les préfixes indiquent le contraire. On a déjà dit. On a dit qu'on dit au contraire d'un mot de base à partir d'un préfixe. Donc, on dit qu'on a les préfixes. D'accord? Alors, dans quel mot le préfixe en ne se prononce pas un? Alors, le mot inacceptable, maintenant, je dis inacceptable. D'accord? Quand s'écrit-il avec la lettre M au lieu de N? Ou N? Alors, automatiquement, si on a le mot, fait la lettre M, ou la lettre B, ou la lettre P. Et N, M remplace la lettre N, si le mot, qui fait qu'on a le mot, qui fait P, ou la B, ou la M. Et on peut dire immangeable. Immangeable. D'accord? Alors, dans quel mot formé avec le préfixe IL et IR, un illisible, irréel, irrespirable, d'accord, explique la présence des deux R et de deux L. Quelqu'un a dit qu'il y a deux R, il y a deux N, ou il y a deux L. Alors, on a dit déjà, il y a le mot qui est double L, mais il y a double IN. Non, on a dit qu'on remplace la lettre L. Ou la même chose pour les mots qui commencent par R. On a même pas dit IN. Non, on a dit qu'on remplace R. On a dit qu'on a double L ou la double R. D'accord? Et dans la règle, qu'est-ce qu'on dit? IN, qu'on remplace IM. Lekan on a le mot qui est la lettre B ou la lettre P ou la lettre M. D'accord? Ou quand on remplace le verbe IL, le mot commence par la lettre L. Ou quand on remplace le verbe IR, le mot commence par la lettre R. D'accord? Roma, Kemlina des préfixes indique le contraire. D'accord? Alors, on passe à la deuxième étape, le suffixe sion. Alors, on va essayer de lire les séries de mots. On a la transformation, l'opération, la civilisation, la décoration, l'évaporation, la punition, la définition, l'expédition, l'exposition, l'inspection, la distribution, la démission, la permission, l'émission, la discussion, la compréhension. D'accord? Alors, dans chaque ligne, trouve le suffixe avec lequel le mot sont formés. Alors, la ligne, la première ligne, le mot est formé avec le suffixe « sion ». D'accord? La deuxième ligne, c'est « sion » aussi. Et la troisième ligne, on a « sion » avec « s » et on a « sion » avec deux « s ».
D'accord? Alors, le suffixe sion est formé avec sion, avec T-I-O-N, ou bien S-I-O-N, ou bien deux S-I-O-N. Comment s'écrit le plus souvent le suffixe sion? Alors, le plus souvent, et le plus utilisable, et finalement, les bzefsemlo, le suffixe sion qui est écrit avec la lettre T. D'accord? Quand je vous décoration, l'évaporation, préparation, opération, explication. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est Reliben T-I-O-N? D'accord? Mais, qu'il y a des mots, une règle. Je vois là qu'il y a une règle liée à suivre. Pour ce que c'est sur T, pour ce que c'est sur S, pour ce que c'est sur 2S. D'accord? Fakat, 2S, les Rimkaul explique la présence de 2S dans plusieurs mots de la ligne H. 2S, non, allez, je l'ai dit, l'édrena S, wahda, d'accord, on a un regard de fusion. Mais on peut pas l'exprimer en S. Pourtant, on a une émission. D'accord? Allez, je l'ai dit. Il y a deux voyelles. Alors, puisqu'il y a deux voyelles, on double la consonne pour trouver ou bien pour qu'on trouve ou bien pour qu'on prononce. Il y a le suffixe sion. D'accord? Alors, le suffixe sion ou l'élément formé par le suffixe sion, plupart qui connaissent la lettre T. D'accord? Mais il y a d'autres mots qui s'écrivent avec la lettre S. Il y a d'autres mots qui s'écrivent avec la lettre 2 avec 2 S. D'accord? 2 S, ni qui connaissent deux voyelles. Par exemple, on a U ou I, on a I, on a I. D'accord? Rire, on a une seule S. علاش؟ لأن عندنا لا لتر ان وعاد عندنا اي، يعني سي با لا بين باش غنكتبو دوز اس. علاش؟ لأن اس هنا غتقرا سيون. داكوغ؟ وهادشي اللي تلقاو في لا غيغل، يعني لا غيغل على فان، يعني ما كايناش ما عطيش اون غيغل بريسيز بالنسبة للبريفيكس. راه كاينة اون غيغل ديجا شرحناها، مي بوغ لي سوفيكس، اسمحوا لي يعني لورتوغراف، بوغ لي سوفيكس ما كاينش. D'accord? Alors, l'orthographe, les mots formés avec les préfixes IN, IM, IL, IR et les suffixes sion, sion, sion. Alors, les mots formés avec le préfixe un, commence par IN ou la IM, incapable incontestablement, ou bien IM devant les lettres M ou B ou P, immangeable, imbattable, impossible. D'accord? Les mots formés avec le préfixe IL s'écrivent avec deux L. Illisible, illisible. D'accord? Les mots formés avec le préfixe IR s'écrivent avec deux R. Irrespirable, respirable, irrespirable. D'accord? Alors, le suffixe sion s'écrit généralement, en général, avec sion. La décoration, la transformation, l'évaporation. Dans quelques mots, il s'écrit avec deux S, une omission, ou bien une seule S, une compréhension. D'accord? Alors, la leçon de l'orthographe, les mots formés avec les préfixes IN, IM, IR, IL et les suffixes sion, sion, sion. D'accord? Alors, je vais vous montrer la leçon. نخليكم في امان الله وحفظه والى لقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنسونيش من لايك ديالكم ومن لي كومونتير محفزين ديالكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. اوفوار.